Bonjour Michel Vol. Bonjour Adrien de Tricorneau. Vous êtes économiste, coprésident de l'Institut de l'économie. Vous avez écrit sur le drame de l'institution. Euh, les institutions naviguent entre scandale et nécessité, constatez-vous. Et nous vivons d'ailleurs une période où de nombreuses institutions sont particulièrement contestées. Alors pourquoi est-ce que les institutions naviguent entre euh, leur nécessité et le scandale Alors, d'abord, pourquoi crée-t-on une institution On crée une institution parce que la société, dans son ensemble, l'ambiance du moment, Juge nécessaire que soient accomplies certaines tâches qui euh, ne peuvent pas être accomplies par un individu et qui nécessitent la collaboration de plusieurs personnes. Et donc, quand on euh, quand on se trouve confronté à cette nécessité-là, eh bien, on crée une institution. Alors, soit une institution publique, soit une entreprise. Une entreprise, c'est une institution aussi, mmh. de manière à réaliser un travail qui ne peut être fait que par plusieurs personnes agissant collectivement. Voilà. Donc. Chaque institution a une mission, mmh. elle a été créée pour faire quelque chose. Euh, encore faut-il que cette mission soit correctement définie. Est-ce que la mission d'un constructeur d'automobile, c'est de conserver des voitures mmh. Ou bien c'est d'assurer un service dont la voiture est un des éléments mmh. Est-ce que la mission de Pôle Emploi, euh, est-ce que c'est d'assurer l'intermédiation du marché du travail euh, D'assurer une assistance psychologique auprès des chômeurs euh, de d'assurer le service public de l'emploi, voyez, selon la manière dont on la définit. Bon, mais en tout cas, l'institution a une mission. Une, Et une... mission qui n'est pas scandaleuse en général, une mission d'intérêt souvent euh, oui. général. Ouais. Voilà. Et pour accomplir cette mission, puisqu'il s'agit d'un travail collectif, il lui faut une organisation, c'est-à-dire une définition d'une part des, des responsabilités légitimes, de la manière dont le pouvoir de décision peut être exercé de façon légitime par des personnes désignées pour ça. Et il lui faut également une définition des procédures de l'action productive, et des procédures du travail. Ça, c'est l'organisation. Le drame, c'est que dans la vie de l'institution, assez souvent, le formalisme de l'organisation tend à se substituer à l'esprit de la mission. Mmh. Hein euh, mmh. le... Finalement, les cadres rêvent de faire carrière et de grimper l'échelle hiérarchique, qui mmh. pour eux, comme un miroir aux alouettes. Hein, euh, les, les salariés, ben, ils pensent à gagner leur vie en venant bosser chaque matin et en étant euh, simplement euh, ponctuels et, et, et sérieux dans leur travail. Quoi. Mais la mission, on l'oublie. Et c'est ça, le drame de l'institution. Alors, historiquement, parf... historiquement l'institution, elle naît de quoi en Europe Parce que là, on parle d'entreprise moderne. Ce ne pas les premières institutions qui ont existé. Non. Les... Quand on regarde l'histoire, on se rend compte que finalement, beaucoup de choses viennent de l'Église qui a été en Europe la, la première grande institution. Vous savez que les, les, Pierre Musso a, a montré que les premiers efforts pour organiser le travail, ça s'est produit dans les monastères. Mm -hmm. hein euh, aura et labora, pri et travail, euh, comme il fallait que les moines partagent leur temps entre la prière et le travail, et qu'il ne fallait pas perdre de temps parce que sinon on perdait du temps pour la prière, il mmh. bon. euh, y avait un souci d'organisation euh, très, très strict dans mmh. ces monastères. Et au fond, la matrice de l'entreprise européenne, euh, c'est euh, les monastères. Et puis on peut remonter plus loin, dire qu'après tout, l'Église est l'héritière de l'Empire romain, euh, que l'Empire romain a été une gigantesque institution militaire. Mmh. Hein. Euh, voilà, et donc il euh, y, y a cet, cet esprit qui est en effet présent à l'origine des institutions. Finalement, quel est le facteur clé par lequel les institutions meurent ou au contraire se poursuivent, selon vous voilà, Ce drame que je vous ai décrit entre la mission et l'organisation, il est inévitable. Euh, il y a toujours cette tentation de céder au formalisme de l'organisation et d'oublier le, le, le sens de la mission. Ce drame, une fois qu'on le constate, il faut savoir l'assumer. Puisqu'il est inévitable, il faut savoir le, le supporter. Et il y a une catégorie de personnes euh, dans lesquelles se trouve la solution et la réponse à votre question. C'est les gens que j'appelle les animateurs, qui sont justement des gens qui assument euh, ce drame, qui n'en font pas une histoire et qui font tourner la boutique, qui règlent les incidents dans la foulée, qui aident les collègues, euh, qui font en sorte que finalement euh, euh, la boîte tourne, quoi. Voilà. Et si dans une entreprise vous n'avez plus aucun animateur, à ce moment-là ça devient une, une boîte qui tourne dans un formalisme et qui, euh, euh, sauf si elle bénéficie d'une rente de situation trop favorable, euh, elle n'en a plus pour longtemps à mourir. Si par contre vous avez un grand nombre d'animateurs, non seulement cette entreprise vivra, mais en plus. Elle peut rebondir en mmh. cas de difficulté. Mmh. Alors, une des choses cruciales, c'est qu'il faut que le dirigeant soit lui-même un animateur. Merci beaucoup Michel Vol pour cet éclairage.